Christopher, tu en es à ta première expérience comme Week-end des étoiles, en fait participation. Jusqu'à présent, tu as trouvé ça comment, la soirée? Ah, c'est excitant. Je pense que les fans ils apprécient vraiment cette journée de super skill. Je pense que ça montre tous les talents qu'il y a dans la Ligue nationale. Christopher, d'habitude, on le voit jouer avec un casque. Ce soir, tu n'en avais pas. Est-ce que tu voyais où est-ce que tu allais? Parce qu'on a trouvé que ta coupe de cheveux était peut-être ton plus gros handicap ce soir. Non, c'était mon pire ennemi. Non, mais j'ai eu la chance de patiner avec mon casque, fait que j'étais correct. Mais les cheveux, c'était vraiment pas pratique. Christopher, quand on parle d'un défenseur, c'est Justin Lemieux en passant, quand on parle d'un défenseur, comment souvent dans ta vie de défenseur, tu fais un tour de patinoire de reculons au complet? Parce que c'est pas facile de faire un tour de patinoire au complet de reculons. Non, c'était même que ça en était dangereux. Je voyais pas derrière moi les cônes, le but. J'ai même réussi à frapper un des gars de Versus. Fait que non, mais à la fin de la journée, je suis content, j'ai gagné la course. C'est ça qui est important. Oui. Christopher, c'est Denis Gauthier. Tu as participé à la course de relais ce soir. Tu as pris des lancers de surréception. Je voulais savoir comment tu as trouvé le gardien de but ce soir. Tu avais de la misère à le battre au relais-glace. Non, j'ai eu des problèmes, mais mes coachs, ils me chialent après tout le temps de mettre le puck sur le net. Fait que j'ai tout mis sur le net. Il y a eu des rebounds, mais j'ai pas réussi à fermer ça en 30 shots, je pense. Okay. Christopher, la Ligue nationale a innové hier soir en faisant un repêchage. Je pense que ça a été, selon les commentaires qu'on a entendus, ça a été relativement pas mal apprécié, en fait, de la part des joueurs. J'ai avoir ton opinion là-dessus. Comment tu as trouvé ça, toi? Ah, ben c'était le fun. Je pense que les gars ont la chance de choisir leurs amis qui ont joué dans le hockey mineur ou soit dans les hockey juniors. Ils ont pu choisir leurs amis, leurs frères, les personnes qui aimeraient se jouer avec. Fait que je pense que c'est une belle formule. Les fans ont pu en profiter, là. Le match demain, ça va être quoi? Tu t'abordes ça de quelle façon? Ton objectif, c'est de récolter le plus de points possible. Est-ce que comme défenseur, tu vas donner un coup de main à tes gardiens? Tu te prépares comment pour une partie de même? Juste avoir du plaisir? Ouais, plaisir, je pense que ça va être la première des choses, mais je pense que mes goalers vont pas me voir souvent. Je vais pas vraiment être dans ma zone. Je vais essayer de remplir Nanette là au bord. Mais merci beaucoup. Au moins, il est honnête. Oui, exactement. Oui. Merci beaucoup, Christopher, pour ta participation. Amuse-toi demain.